بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخير الإسلام nous dit, nous la religion de l'islam, li basé le haut, cinq piliers. Et dans certaines ibadas qui n'ont pas appliqué le certaines bandimoun, par exemple, comme un hajj, si une personne peine le moyen ni la santé, alors il peine aucune obligation pour y aller faire hajj. Donc, ibadah dans nos dîn, li capable de varier selon nous la santé et nos situations financières. Plus nous avons la santé et nous avons nos situations financières stables, alors nous devons faire plus ibada dans nos dîmes. Quand nous respectons nos engagements envers ces cinq piliers de l'islam, c'est comme si nous pouvons respecter les demandes de nos légaux en termes de nos nécessités de base, tels qui nous mangeait, nous boit, nous vêtements et nous en la case. Est-ce qu'en tant qu'humain, manger, boire, vêtements et la case, lui suffit? Nous tous nous d'accord qu'il y a quelque chose qui est plus important qui sa bonne nécessité là. Sa nécessité là, c'est l'oxygène. Si nous peinons l'oxygène, alors nous l'écho, l'ivin inutile, nous l'écho, l'ivin en quelque chose qu'on est capable de dire, c'est un sac léger, peine à la vie là-dedans, peine à l'oxygène. Donc, pareillement, nous sommes capables de respecter nos engagements envers ces cinq piliers de l'islam là, mais nous avons aussi un certain besoin qui nous l'écho, afin qu'il y ait une balance dans nos bonnes pratiques de nos religions. Ça lutte. Besoin qui pour amener une balance dans nos dînes là, c'est un besoin intérieur ou bien nous dire lui, nos côtés spirituels. Un dimoun capable de faire namaz, il capable de faire hajj, il capable de donner zakat, mais s'il y a un débalancement dans son intérieur, tout le temps nous pouvons dire, en tant que ban dimoun qui peut trouver ça dans les autres personnes là, get li lin fait hajj 10 fois get sou mani avec dimoun ou bien li peut faire khidmat dans masjid li peut donner azan alors nous dit ben tout ce qui li peut dire espèce au depuis le sur la bouche sa personne li peut dire ban quelque chose quand nous pou get li comme dire li pas un musulman alors nous pose nous même une question si en l'écho li gay oxygène manger boire vêtements la case est-ce qui en a garantie qu'il est en bonne santé, je suis tout d'accord, il n'y a aucune garantie que ça dit mouna, il est en bonne santé. Pareillement, même si un djimoun fait ibadat matin et soir, il n'y a aucune garantie qu'il est un bon musulman. Alors, pour nous vivre en bonne santé, nous devons manger, balance diet, nous devons faire l'exercice, nous devons mettre l'insulte dans l'hiver, etc. Donc, pour nous vivre comme un bon musulman, apporte nous cinq piliers de l'islam qui nous besoin respecter, nous besoin traiter ça à l'intérieur là, afin qu'il nous pas gagne aucune maladie spirituelle. Dans un hadith Bukhari, Abu Musa al-Ash'ari, il rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire différence qu'il y a entre un celui qui fait un zikr et un celui qui pas fait un zikr, lit comme la différence entre un vivant et un mort. Donc, frère en islam, l'oxygène pour nous l'intérieur ou nous spiritualité, c'est tout simplement zikrullah. Faire la rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous finissons mettre ces cinq piliers de l'islam là en pratique, ça banne les temps qui restent là. Comme par exemple, nous faisons cinq fois les salat par jour. Est-ce qu'il nous dit ça, et ni un temps qui nous finit ado, nous robe là, lui suffit. Et ensuite, ça 23e temps qui restait là, nous la vie y a le vide. Non, chers frères en islam, c'est là que zikrullah prend place. Beaucoup d'efforts nous faire pour nous recevoir une famille.
comme il se doit et nous faisons plaisir. Mais zikrullah li simple et li léger l'onou la langue. Est-ce qui nous pas fait sa robe la plaisir? Zikrullah li pour aider nous pour remplir sa bonne manquement qui est dans nous là en termes spiritualité. En d'autres mots, c'est nos médicaments pour nous l'intérieur. Pour faciliter les choses, connaît que zikrullah c'est avant tout Coran lui-même. Alors est-ce qu'il n'est pas possible pour une personne de lire surah Fatiha ou bien une petite surah qu'il connaît dans les temps qu'il est libre? Ou bien aussi, zikrullah c'est aussi une dua qui nous lit matin et soir, qui nous les enfants apprennent dans la madrasa, quand on peut lever, quand on peut dormir, quand nous peut dormir, nous lire Allahumma bismika amutu wa ahya. Quand nous pouvons lever, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Ben, simple doua comme ça, c'est ça, zikrullah. Nous pouvons penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah aussi, c'est ben zikr qui nous fait par nos propres épaules, veut dire nous lire la ilaha illallah. Nous lire comme nous envie, nous faire astaghfirullah, nous demande pardon. Les bien facile, les bien léger nous, la langue, nous pas besoin de belles efforts pour faire lire. Si tant zikrullah tient pour autant dans la vie de ban sahaba et ban ulama, jusqu'à ce qu'Abu Huraira, radiyallahu an, un grand sahabi, lui peut faire jusqu'à 12 000 tasbihat ou bien zikrullah par jour. Et dans les autres qui peut faire tasbihat ou bien zikrullah jusqu'à 100 000 fois par jour. Alors, je te connais. Valier de zikrullah. Je te connais l'avantage qui est dans zikrullah. Zikrullah, il pour remplir sa manquement de spiritualité qui nous est dans l'âme. Plusieurs façons et pour faire zikrullah. Nous avons droit, lève-nous la voix pendant zikrullah. Pareil comme Ibn Abbas, radiallahu anhu, mentionné qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Benjimoun, habité, élève la voix quand je fais zikrullah. Ça, c'est un hadith de Bukhari. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous hésite pour élever la voix. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Ne pas hésiter pour élever la voix. Et non pas aussi, nous venons dans une catégorie bandimoun qui dit ça, c'est une innovation, ça. Quand élève la voix, fait zikrullah, faux. Alors, un point bien important concernant zikrullah, la voix faux. C'est aussi, nous ne pouvons pas faire une façon nous dérange, nous, bon frères. Si nous venons dans ma zine, nous ne sommes pas capables de faire des coups là, nous dérange, nous, bon frères. Par exemple, ici, une personne nous dit à moi faire des coups là, c'était là. Alors, il n'est pas possible. Donc, faire des coups là, la voix faux, et dans sa place faire lui, et dans sa façon faire lui. Alors, nous devons respecter nous, l'entourage. Et l'autre façon qui nous capable de faire des coups là, Allah subhanahu wa ta'ala li janu da Qur'an surah Al-A'raf verset 205 Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa. Et rappelle ton Rab ou bien fais zikrullah de ton Rab dans ton esprit fi nafsika dans ton même fi nafsika tadarru'a avec humilité. Zikrullah fait avec humilité ça. C'est pas subhanallah 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 nous get droit gauche nous pouvons faire toujours. Zikrullah nous a mis dans l'état. Subhanallah, je pense à Allah. Alhamdulillah, je pense à la facilité, à la chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait une vie à l'homme. Je gagne une bonne famille, je gagne un bon enfant, je gagne un bon travail. Alors quand nous faisons ça, zikrullah, nous a mis dans cet état-là. Quand nous pouvons dire la ilaha illallah, là nous pouvons dire tout. Tout le pouvoir qui est dans le monde, nous ne pouvons pas être nos patrons, nous ne pouvons pas être ministres, nous connaissons juste Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut décider pour nous. Donc, wadhkur rabbaka fi nafsika, dans nous-mêmes, nous pensons Allah subhanahu wa ta'ala dans nous-mêmes, avec humilité et la peur, ok? Avec la peur. Ensuite, وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ sans qu'il nous élève nous la voix. Ce n'est pas nécessaire d'élève nous la voix. بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ veut dire, quand nous pouvons faire zikrullah, il peut dire à nous, faire le matin et faire le soir aussi. Veut dire, ça laps de temps qui nous libre là. Nous finissons faire namaz fajr, zikrullah. Nous allons la case, zikrullah. Nous rentrons dans la case, nous faisons bismillah, nous rentrons les pieds droits. Tout type petites affaires dans nous la vie, tout le long nous
La journée, nous faisons des efforts, nous mettons un décrou Allah là-dedans. Si nous prenons un droit spécifique, astaghfirullah. Ou bien Daroud, nous prophète, l'autre semaine, Inch'Allah, nous cause l'avantage de Daroud, nous prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, remplis-nous dans l'état. Pas laisse ça, en l'état aller. Par exemple, astaghfirullah même, nous pouvons écouter l'imam. C'est pas khutba, c'est causerie ça. Alors, dans la causerie, nous avons le droit de faire des cours là. Nous pouvons concentrer toujours, mais nous mettons nous-mêmes dans l'état qui nous pouvons soumettre nous-mêmes, nous finissons, donne-nous l'état d'un vendredi. Parce qu'ils ont 10 jours, même ce vendredi-là, Dimoun pas venu. Dimoun pas venu, Jumaa, à cause malade. Alors, nous avons ce niveau musulman-là dans une société. Nous avons le droit de guidance pour cette personne-là. Bilroudou wa al-asali veut dire le matin et le soir, nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, wala takum min al-ghafilin, parvin parmi ban négligent. Alors, ban négligent, c'est ça même, nous, plus grand défaut en tant que musulman. Nous connaissons la loi de din, nous connaissons tout la loi de din, nous connaissons din plus qu'il y a tout. Qui ce qui partie nécessaire pour nous connaître, nous connaissons. Mais nous vînons parmi ban négligents, c'est ça le plus grand danger en tant que ban musulman. Parce que quand nous vînons négligents, qui fait appel nous négligents, c'est parce que nous désenconnaît, nous pas fait aller. Nous pas fait appel nous ignorants. Ignorant, c'est celui qui pas connaît. Nous appelons ignorant. Mais un négligent, tu connais bien fait 5 fois les namaz, tu connais bien applique la loi digne de toute la vie. Tu pas fait appliquer, appelle-toi négligent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit wala takum min al-ghafilin, parvin parmi ban ki négligent. Donc zikrullah mon frère, li bien facile pour nous pratiquer sans qu'il nous fait belles efforts. Nous pense nous rab, nous regrette nous ban errer. Ça si c'est zikrullah. Nous regrette nous ban errer. Nous ne nous ban errer personnel, dit vous ne pas connaître. Nous regardons nous banérer, nous laissons ça errer là entre nous avec Allah, nous faisons droit dans l'équipe, nous demandons pardon dans l'équipe. Alors, quand nous faisons ça, nous disons personal pondering, veut dire, nous donnons l'état personnel pour moi, moi assiser, moi réfléchir, moi penser et moi faire zikr Allah, Inch'Allah, définitivement, on a beaucoup bien fait dans la vie. Alors, pas laisse-nous perdre, ban l'occasion qui est capable et nous pour entrer dans Jannah. Connais qui ban non musulmans, je pas qu'ils nous namazent, je pas émerveillé avec nous namazent. Ban là ni je émerveillé un peut faire grand donation, je pas émerveillé par ça, ni je émerveillé par Coran bien grand ban non musulmans qui fouillaient apprennent les je émerveillé. Mais je pas émerveillé en général avec ces petites choses là, je émerveillé plutôt avec nos manières, nos ban morale, bon morale qui nous est nous ban bon éthique. Alors, pour nous développer bonne manière et bonne éthique, solution plus facile, c'est zikrullah. Parce que quand nous pouvons faire zikrullah, pas pour une mauvaise pensée. Nous finissons faire 5 fois les namaz, nous faisons juste un temps, ibadat de ça, la journée là. 23e temps, nous, sous l'attaque de Shaitan. Alors, si nous pouvons faire zikrullah, nous pouvons garder la parole Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau nous la langue. Alors, nous risquons qui nous gagne tentation avec Shaitan pour diminuer. Donc, Inch'Allah, semaine prochaine, nous vous cause l'effet de Zikrullah plus en détail dans la vie de tous les jours. Nous terminons par demander Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous venir parmi ban Zakirun Allah, ban celui qui fait Zikrullah, ban celui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala. دعونا بكتجاء آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم